Bien Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, on est en direct de l'hôpital. Non mais regardez-moi ce plâtre énorme et sec. Juste, je ne vais pas parler trop fort, il y a d'autres patients à côté. Bon, je vous fais visiter ma chambre. Là, vous avez mon lit, où on peut monter et descendre. Trop bien. Là c'est la sonnette pour appeler les petites infirmières sexy. Ici, la barre pour faire les tractions. Bon, venons-en au fait. Comment je me suis démerdé et quelles conneries j'ai pu faire pour finir dans cet état-là. En fait, comme vous le savez dans mes vidéos, je teste beaucoup d'activités et de sports qui peuvent parfois être un petit peu extrêmes. C'est parti. Et cette fois-ci, l'idée était de tester la moto stunt avec le pilote pro Julien Welsh. Welsh. Du coup, le début de la vidéo s'est déroulé super bien. Ça kiffait gros quoi. Vraiment ouais, franchement c'est un délire. Ça fait du bruit. Ouais, c'est cool. J'ai même réussi à rouler tout seul comme un grand. Je précise juste que la seule fois où j'ai fait de la moto, c'était pour une autre vidéo, il y a à peu près un mois. Ok. Puis vient le moment d'essayer un burn. Le but c'est de faire déraper ta roue arrière, ouais, et de faire de la fumée. Le concept est d'accélérer et de freiner en même temps pour faire de la fumée avec la roue arrière. Et en théorie dit comme ça, ça a l'air super simple. Mais en pratique... La moto est partie. Et moi je suis parti avec la moto. Ça va poulet? Ouais, je crois que c'est bon. C'est sûr? Je crois que j'ai un... Fais voir. Un doigt? Non, je crois que j'ai cassé un truc là. Non, c'est pas possible. Si, j'ai cassé un poignet. Résultat, j'ai tapé le lampadaire qui était sur le parking. C'est bon. Non, c'est toi tranquille. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. On y va, on va à l'hôpital, non, directement. Du coup, bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est que faisait ce de lampadaire sur ce de parking. Ah, putain. C'est aggro quoi. Ouais, mais je suis pas très quand même. Calcule pas gros, concentre-toi sur ta respiration, tranquille. Je me souviens juste d'un petit crack sur mon avant-bras gauche au moment où je suis tombé. Et pour les images qui vont suivre, c'est un petit peu hardcore et sec. Donc si vous êtes sensible, tournez un petit peu les yeux. Putain, t'as pas trop la tête qui tourne et tout gros? Non, c'est bon. J'espère que c'est juste le poignet qui a pas autre chose. Putain, je suis vraiment une bite. Tu vas te poser? D'accord. Regardez, même la lumière est tombée avec le choc. Et du coup, moi, avec l'adrénaline, je comprenais pas trop ce qui venait de se passer. Tu t'es fait un poignet, je vais pas le filmer maintenant. Non, on va pas filmer le poignet. Ouais. Au pire, filme, vas-y, filme-le, je pars. Au moment où j'ai enlevé mon gant, je me suis dit, Thibaut, t'as beau être un tortank énorme et sec, si tu regardes ton poignet à ce moment-là, tu tombes dans les pecs direct. Je regarde pas. C'est dégueu. Tu vois tout là? Ouais, c'est assez dégueu. Allez, genre, je pouvais pas faire les biceps pendant un petit moment. la petite veine du bibi, elle va être un peu trop là. C'est bon, ça va, très bien, ça va. Roule. Ouais, ça va, t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé. C'est la partie du jeu. Du coup, respiration maximale. T'es pas trop dans les pommes? Non, c'est bon, t'inquiète pas. T'as pas de vertige ni rien? Non, c'est bon. J'espère que ça va aller pour lui, il est là-bas. C'est la première fois que ça arrive, donc même moi je suis un peu choqué. J'en profite pour manger une petite barre protéinée, car il était 16h, et qui dit 16h dit l'heure de la petite collation. Ok les gens, on est en route pour l'hôpital, je suis en train de manger ma petite collation là. Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut manger. Comme on dit, youtubeur, c'est un métier qui peut être parfois risque. Si ma famille voit la vidéo, je les aime. Mes abonnés, je les aime. Non, mais... Et on se dirige aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot à Londres. À Londres, non, à Lyon. Ça va aller, poulet. T'inquiète. Après avoir été reconnu par à peu près tout le service des urgences, à qui je passe un gros dame, car ils ont vraiment été super cool. Tu ouais, ça va. Ça pourrait aller mieux. On a fait une radio. Et là, c'est simple, je pouvais faire une équerre avec mon poignet. Boum, 90 degrés. Pratique pour passer le bac. Dommage que je l'ai déjà. Suite à la radio, j'étais conduit en salle où ils ont remis mon bras qui avait été disloqué. Ok les gens, donc on vient d'arriver à l'hôpital. Tout va pour le mieux, on positive, on est content, on passe un bon moment. Enfin, il y a mieux, mais on passe un bon moment quand même. On va dormir un peu, on se voit après. À tout à l'heure. Là, ils ont fait une réduction, ça veut dire qu'ils ont remis les os en place dans le bon alignement. Et pour pas que je souffre trop le martyr, ils m'ont endormi à grands coups de kétamine et de plein d'autres drogues qui finissent par in. Non pas la cocaïne. Ah, putain, c'est génial. Ok. Le pouce, ça va. Ok, pouce bleu. Voilà. pouce bleu. Aïe, super. Aïe. Et c'est encore là? Oh. Vous voyez là? Très bien. Ouais. Ouais, cool.
Faut bien vous détendre et bien vous l'étaler en fait. Je suis détendu. Et là les gens, j'étais complètement shooté, je comprenais rien de ce que je disais. Oh man, de la vidéo. Et après voilà, après, j'ai une petite qui squatte, hein, qui me fait un squat, que fasse une squat. T'as fait quoi, poulet? Et apparemment, j'ai dit pas mal de merde. Ça va très bien. Pouce bleu. Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Un pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous. Voilà, super, là. Tranquille. Je vous aime pas. Un petit sourire? Oui. Un sourire, un petit. Oh. Voilà. On passe un bon moment. Ça tire, c'est normal? Ouais, ça tire, c'est normal, on est en train de remettre tout dans le bon sens. Mais ça fait pas mal, vous voyez? Ok, ok. Sentez que ça tire, puis c'est ok, bon. Ok, voilà, ok. Super. Ah, ok, waouh. Et voilà, c'est tout remis. Ah, ok, wouh, waouh. Ah, vous êtes avec nous? Ah oui. Un petit sourire. Toujours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça? Détendez-vous. Vous laissez faire. On va mettre le plâtre. D'accord? Ok, ça. Impeccable. C'est tout dans le bon sens. Donc là, on met le plâtre. C'est marrant parce que j'ai l'impression de ne pas savoir ce qui se passe en fait. Là, c'est ça. C'est normal. Là, actuellement, je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez où vous êtes? Je crois qu'on est à Lyon, il me semble. Bon début. En tout cas, voilà, vous filmez? Oui, toujours. Oh, c'est très bien. C'est gentil en tout cas. Puis, une fois ça fait, ils m'ont mis dans une chambre avec un petit repas. Regardez-moi ce bon repas, les gens. Une omelette, du riz et des champignons. Ils ont pensé à nous. Des protéines, oui. Puis, c'était l'heure de dormir. Le lendemain, l'opération devait avoir lieu. Du coup, il fallait être à jeun. Ça veut dire pas boire et pas manger. Et je crois que c'était le pire. Après, j'aurais dû avoir l'opération, mais le chirurgien a dit que j'allais la faire demain. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter de faire la muscu, croyez-moi. Je pense que je suis bon pour faire que les jambes pendant un petit moment. Mais en vrai, si quelque chose comme ça vous aussi vous arrive, concentrez-vous sur le positif. Ça aurait pu être la main droite. Et là, plus Jackie et Michel. J'aurais pu aussi tomber sur la tête, et déjà que je suis un petit peu con, ça n'aurait rien arrangé. Et pour être honnête avec vous les gens, au moment de l'accident, j'ai une pensée toute spéciale, toute particulière pour une petite Iron Girl. Que dans la vie, on a tous des problèmes, sauf que quelquefois, on peut les voir. Une abonnée avec qui j'avais fait une vidéo et qui avait perdu une jambe suite à une maladie mais qui n'avait jamais perdu sa joie de vivre. Et rien que pour elle, j'avais pas le droit de me plaindre. Si tu regardes cette vidéo, Marion, t'es la meilleure. Ensemble, j'aimerais donc qu'on ait une pensée vraiment toute spéciale pour les petits et les petites qui sont coincés actuellement dans les hôpitaux. On est avec vous. Et on est plus que simple chaîne YouTube, on est une équipe. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages de soutien, ça m'a vraiment touché au plus profond de mon pec. Merci pour tout et juste... merci d'exister. Racontez-moi maintenant en commentaire vos pires accidents. Je me sentirai un peu moins seul comme ça. De mon côté, je reviendrai encore plus fort. Personne ne peut arrêter Tortank et la Team Shape. Alors surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Je vous aime. Boum.